Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode spécial Culture Design. Il est temps d'asseoir les femmes. Aujourd'hui, je vais vous présenter non pas une femme designer proprement dit, mais une artiste et architecte, Marietika Płociek. Je l'ai choisie car suite à mes recherches sur Victor Papanek, je vous renvoie à l'épisode 28, il se trouve que Płociek est la digne héritière de sa philosophie d'éco-design. Marietika Płociek, née en 1953, d'origine slovène, travaille à Ljubljana ainsi qu'à Berlin. Ses travaux ont été exposés dans toute l'Europe, comme la Biennale de Venise en 1993, en 2003 et en 2009, ainsi qu'en Amérique, avec la Biennale de Sao Paulo en 1996 et en 2006. Elle a aussi organisé une exposition au Guggenheim Museum de New York, aux listes Visual Art Center du MIT en 2004, et c'est une liste absolument non exhaustive. À partir de 2011, elle fut pendant 7 ans professeure de pratique sociale à l'Université des Beaux-Arts de Hambourg, où elle a enseigné Design for the Living World, une classe sur les pratiques participatives. Elle a également été professeure invitée dans plusieurs autres institutions, comme le MIT en 2005 et la Faculté des Arts et du Design de l'IUAV à Venise en 2008 et en 2010. Par ailleurs, Marietika Płociek a été primée pour ses travaux de nombreuses fois. Le plus emblématique de ces décernements est le prix Hugo Boss, reçu en 2000, qui est un prix d'art contemporain parrainé par la marque Hugo Boss. Il est attribué tous les deux ans, depuis 1996, et malgré cette faible ancienneté, il est considéré comme un des prix les plus importants. Architecte de formation, Marietika Płociek consacre son activité artistique au milieu urbain, avec un intérêt particulier pour les villes contemporaines, des métropoles comme Caracas, Berlin, New York, Buenos Aires, Budapest, etc. Ses travaux, mêlant art et architecture, se basent sur une philosophie, à la recherche de gestes simples et innovants, la fabrication de solutions alternatives tout en faisant preuve d'originalité. Par exemple, en 2015, Płociek a créé avec le collectif OOZE le projet Of Soil and Water, The King's Crocs Pond Club. C'est un étang artificiellement naturel dans lequel il est possible de se baigner. Cet environnement microécologique était situé sur le chantier de construction du projet de développement de King's Cross Central à Londres. Les visiteurs se baignent à côté des plantes aquatiques qui nettoient l'eau, ce qui permet à l'étang de ne pas subir la présence de produits chimiques. L'eau est ainsi purifiée par un processus naturel en boucle fermée, utilisant des zones humides et des plantes aquatiques submergées, entourées de fleurs sauvages et d'herbes qui changent avec les saisons. De plus, le nombre quotidien de baigneurs est limité par la quantité d'eau que les plantes peuvent nettoyer. À travers ce projet, Płociek et OOZE souhaitaient faire passer ce message, celui de vivre en équilibre avec la nature. Płociek et OOZE soulignent l'importance du sol et de l'eau, deux ressources naturelles qui nous sont essentielles mais que nous tenons souvent pour acquises. Cette piscine végétale agissait comme un laboratoire vivant qui révélait la capacité de la nature à se restaurer tout en offrant aux visiteurs une expérience en direct, celle de vivre une relation et comprendre les responsabilités de l'humanité envers la nature. Ce projet, Of Soil and Water, The King's Cross Pond Club, a gagné le prix Landscape Institute Award 2017, London, dans la catégorie Design for Temporary Landscape. Mais cela n'a pas suffi pour que la pétition lancée par Save KX Pond Campaign Group puisse aboutir et que ce projet ne ferme jamais. Vous retrouverez toutes les sources concernant le podcast sur mon site internet massomarion.wixsite.com/website, dans la rubrique blog puis podcast. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur de nombreuses plateformes telles que Deezer, Spotify, iTunes Podcast, YouTube ou encore Podcast Addict. N'hésitez pas à le partager avec votre entourage, à faire un don sur ma cagnotte Tipeee ou à me laisser votre avis. Je me ferai un plaisir de le lire lors d'un prochain épisode. À la semaine prochaine !